C'est l'histoire du petit Dylan, c'est une histoire vraie. Là j'ai parlé de vrais coups durs comme à la boxe anglaise. Ça va me marquer toute ma vie. J'arrive pas à l'oublier malgré mes tentatives. C'était en juillet donc il faisait chaud. J'étais fou que je ne faisais pas la part des choses. J'ai rencontré ce pote là, en quand on se va. À 9 ans sa vie était niquée d'avance car ce petit Dylan habitait dans une maison à 2 étages. Sûrement acquis à la mort d'approche grâce à l'héritage. Sa maman enceinte heureuse et les rend si fiers. Le jour de ses 6 ans il apprenait à l'attente de son petit frère. Merde, jusque là tout va bien. Il avait pour habitude de lancer des pétards dans le jardin pour faire aboyer le chien du voisin, car ça le faisait beaucoup marrer. Ce jour là il perdit le sourire à jamais. Je vais t'expliquer pourquoi la vie peut tourner vite. En un instant, il brise à la vie de son équipe. Ce jour-là, il joue dans sa chambre au 2e étage. Son petit frère s'amuse dans le jardin, dans son espace d'enfant. Pour rigoler, il jette sans regarder un pétard par la fenêtre. L'explosion le fit beaucoup rire, il s'imagine la scène. Le chien aboyé, le voisin va gueuler. Il se met sur une chaise pour zioter. Il entendit des cris en bas dans le jardin. Son petit frère était en train de gueuler. Il lui a fait péter la main, le visage ensanglanté. Sa vie a tourné en à peine 1 centième. Il incendie sans pouvoir masquer sa peine. Ses parents ne lui ont jamais pardonné. À 9 ans, le petit Dylan s'est fait abandonner. Sa grand-mère le recueillit chaleureusement. C'était la seule qui s'était opposée à son placement dans une famille d'accueil. Ce soir-là, c'est le petit Dylan qui a marqué ma feuille.